La 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 love is love. La 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 love is love. Let's talk about you. Let's talk about me. Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Bienvenue au paradis. Je crois que je dis ça à chaque fois qu'on vient à cette plage. J'espère que vous allez m'entendre parce qu'il y a quand même pas mal de vent. Enfin, pas mal, il y a une petite brise vite fait. Genre, il fait des grognées, il dit franchement, le bruit c'est désagréable, le monde et tout, parce que bon, comme vous voyez, il n'y a personne. Et les petites sont déjà dans l'eau, on a racheté des brassards parce que impossible de remettre la main sur les brassards dès là. Et regardez-moi ça. Donc aujourd'hui on fait un pique-nique, on a pris tout ce qu'il faut, d'ailleurs je vais mettre ça à Londres, pour manger des sandwichs et tout, on s'est fait ça. T'es contente mon chat? Donc là on est à la plage du Club Med à Cargès, nous on aime bien aller là-bas parce que les enfants ont pied bien loin. Il y a une espèce là de petite île qui se forme, mais en fait ça dépend, il y a des bancs de sable en fait qui se forment, ça change tout le temps. Does the moon not know? It needs the sun to shine. Bon, on a Ella qui nage avec ses brassards. Gaël et moi, on a marché tout le long dans l'eau avec l'eau jusqu'au ventre. L'eau est assez froide, hein, je vous cache pas. Du coup, ça draine bien, ça faisait du bien. Montre comme tu nages, Ella. Qu'est-ce que tu fais? C'est caca l'eau de mer. Tu nages bien. Bon, il fait hyper chaud. On repart de la plage. On va aller manger une glace chez Jeroni, comme d'hab, meilleur glacier de Corse. Mais Gaël, mais Gaël, elle est jamais allée. Donc non. On y va tous ensemble. Allez, on va manger la glace. Alors j'ai pris pêche, l'été glacé, avec des amandes grillées. Est-ce que tu peux arrêter de me piquer ma glace, s'il te plaît, toi? Arrête de shipper. Shipper, arrête de shipper. T'as pris quoi comme glace, toi, Ella? La chantilly avec de la framboise. Ça va, Gaëlle? Les vacances? Ça me va bien, les vacances. Je vais signer pour... Bon, Nico et Gaëlle font leur tarte. Gaëlle fait la commis et... elle passe du sopalin dans des plats, en fait. Tout à fait dans les temps. Et Nico, voilà. Genre, il cuisine torse nu avec un... avec un petit tablier. Avec un petit tablier sexy. Non mais j'ai déjà mis en story Instagram. Je suis rentrée, j'ai dit, je sors de chez moi, je vais voir si tout le monde bosse parce que je suis en vacances, donc j'aime bien voir les gens travailler. Là je rentre, le mec est dans sa poêle, là, on est dans la cuisine, tranquille. Bon, on se retrouve en début de soirée. Je suis en train de me préparer ce qu'on va aller manger dehors. Gaëlle et moi, entre filles, ce soir. Parce qu'il y a la finale de la Ligue des Champions. Je crois que c'est ça, mais je suis pas sûre. Et du coup, je suis en train de me préparer et je vous avais demandé si ça vous intéressait que je vous montre comment je me boucle les cheveux. Et du coup, je vais le faire là, donc je vais vous montrer. Donc je vais me laver, sécher les cheveux. D'habitude, je vais les sécher à l'air libre pour éviter de mettre trop de chaleur. Il faut d'ailleurs que je fasse mes racines cette semaine. Donc j'utilise un fer comme ça, c'est Remington Pro Luxe. C'est pas du tout le meilleur fer pour faire ça. Donc je fais un peu... il est assez large. Donc ça fait des grosses boucles, mais je fais un peu à l'arrache quoi. Donc normalement c'est les fers comme ça. Moi je l'utilise pas comme ça, moi je tourne ma mèche autour, vous allez voir. Donc je prends mon fer, je sépare déjà mes cheveux en deux sections, et là en deux aussi. Et après je prends des petites mèches, enfin, je prends genre la moitié de cette mèche là. Donc je vais prendre peut-être deux mèches derrière et trois mèches devant. Et pareil de l'autre côté, en termes de taille de mèche. Donc je prends, il faut toujours passer derrière, c'est ça le secret de la technique. Vous passez votre fer derrière, il faut toujours faire attention à ne pas se brûler aussi. Donc je prends une mèche comme ceci, hop, et je vais venir enrouler ma mèche comme ça, par l'arrière et vers le bas le fer. Donc hop, je tiens, je ne vais pas jusqu'au bout hein, pour ne pas me brûler, parce que sinon je me brûle. Je compte 15 secondes, mon fer est à 200. Donc là, j'ai fait n'importe quoi. C'est-à-dire que j'essaie de lâcher la mèche dans ma main.
Donc là j'ai pas réussi hein, parce que je ne suis pas du tout douée. Et je tiens ma mèche enroulée pendant peut-être 5 à 10 secondes pour la laisser refroidir un petit peu avant de la laisser tomber. Voilà, et là je vais la laisser aller en arrière. Et je vais la laisser tranquille, je ne vais plus la toucher. Jusqu'à qu'elle refroidisse bien. Là je vais prendre l'autre mèche et je vais faire la même chose. Hop. Alors ce qui est bien aussi, ça fait plus joli, c'est de faire une mèche enroulée d'un côté et une mèche enroulée de l'autre. Moi je fais un peu, quand j'y pense je le fais, quand j'y pense pas je fais, je ne fais pas une de chaque quoi, je fais une ou deux dans l'autre sens et voilà quoi. Donc le mieux pour faire ce genre de boucle c'est d'avoir un espèce de fer qui ressemble à un espèce de cône, hein. C'est ça qu'il faut que je m'achète. Mais celui-là il me semble que je l'avais reçu via Octoly, je sais même plus. Mais ouais, clairement le mieux c'est pas ces fers là. Donc là on arrive à la mèche de devant qui est le truc le plus important parce que c'est là qu'il faut faire une belle mèche pour que ça donne un style, parce que clairement c'est vraiment la mèche de devant qu'on voit le mieux. Donc là vous avez vu, je n'enroulais pas les mèches jusqu'en haut, je fais vraiment le bas de mes cheveux en fait. Et là par contre je vais mettre le fer vers mon crâne et je vais vraiment... Je vais vraiment tirer ma mèche vers le haut, je ne sais pas trop comment l'expliquer, vers l'arrière en fait. Je vais la boucler vers l'arrière pour qu'elle ait ce mouvement vraiment qui décolle ma racine en fait devant, sur la mèche de devant. Là je viens vraiment faire attention quand j'enlève la mèche pour qu'elle tienne bien dans ma main, qu'elle refroidisse comme ça. Et je vais la laisser hop comme ça pour l'instant. Je vais venir faire tout l'autre côté. Donc voilà à quoi je ressemble à la fin. C'est pas trop un style qui me plaît, dirons-nous. Donc je vais venir... Là malheureusement j'ai pas de laque. Mais sinon j'aurais mis de la laque. Et je vais venir casser les boucles en faisant comme ça en fait. En passant ma main grossièrement dans mes cheveux. Comme ça, comme un gros peigne en fait. Mais voilà, avec la main. Et en cassant les boucles, ça va devenir joli. Et voilà. Voilà ce que ça donne, donc c'est pas bouclé, vous voyez c'est pas bouclé du haut quoi, mais j'aime bien. Bon voilà, c'est fait, bon, normalement j'aurais laqué là en fait, mais bon là j'ai pas de laque donc je vais rester comme ça, ça sera très bien. Mais alors qu'est-ce que vous allez vous faire une soirée père et fils, père et fille, père et fils, n'importe quoi, père et fille, je vais dire père au pluriel et fille au pluriel en fait. Je sens d'ici. C'est quoi? Bon, Nico a acheté 4 pizzas parce qu'il y a peut-être son père qui va manger avec eux et que... J'en ai pris 4 mais on a offert une. Donc en fait il y en a 5 quoi. Imagine-toi que le... Bon, on va en remanger demain, c'est pas grave. Il y en a pour ma copine. Ah oui, oui, il y en a pour ta copine Camille. Et elle encore, he's back. Après le short de l'année dernière, le coup de soleil, maintenant c'est... Le poignet. L'allergie aux piqûres de moustiques. Ah mais c'est des moustiques mutants ici, ils sont pas comme ailleurs. Et Gaëlle, c'est le genre de personne, bah là il y a encore du soleil, c'est le genre de personne qui se fait piquer par les moustiques. On était tous ensemble hier et aujourd'hui et elle s'est fait massacrer. J'ai les tous pris en fait. Ah non, il y a le siège qui sonne, par contre c'est un truc. Est-ce que vous avez remarqué le nouveau look de Gaëlle? Et ouais, Gaëlle a décidé d'être une nouvelle personne, d'être une nouvelle femme. Elle a fait du shopping. Est-ce que toi tu t'en foutais un peu, enfin... Non, mais la mode c'était pas trop ton truc quoi. Non mais faut savoir que j'ai fait du shopping une semaine avant de partir. Ouais. Parce que je savais que t'allais m'engueuler en rentrant. Non parce que si elle était venue avec encore les mêmes shorts qu'elle est là depuis 10 ans. Parce que l'année dernière elle m'a dit non c'est fini, je vais m'acheter des habits et tout. En fait ça faisait un an que c'était pas le cas quoi. C'est pas que je l'engueule, c'est qu'elle me dit j'aimerais bien avoir un look et tout. Et en fait elle s'est acheté des super trucs. J'étais choquée, c'est tout ça, j'aurais pu me l'acheter, c'est trop beau. Ouais. Et... Oh, trop cool son nouveau look. Bon ça y est, on est à Ajaccio, on ne sait pas du tout où on va manger. Mais on est en ville et on a faim. Hein? On est de retour à la maison. J'ai pas filmé au resto parce qu'en fait clairement on était dans le noir en fait. Oui. Il nous a mis une petite loupiate là. C'est à la bougie. Et il a dit oui, je peux vous amener une frontale si vous voulez, faire des blagues. Du coup, il m'a fait la même blague que toi pour les toilettes, on n'a pas.
Et j'en ai même fait avec ma copine. Deux. Cadeau, Gaël. On fait pipi, on fait caca. C'est ça. Bon, là, je vois sur ton visage, je pense que tu donnes deux rouleaux, 4 étoiles. Trop bien. J'en sais plus. C'est Gaël, complètement folle, Stéphie. Bon, ça y est, il est l'heure d'aller au lit. On a passé une bonne soirée avec Gaël à papoter toutes les deux dans un resto qui était... j'ai pas retenu le nom du resto, mais c'était très bon. J'ai beaucoup trop mangé. Demain, on a prévu d'aller courir avec Gaël, de reprendre le sport activement. Là, clairement, ça fait un mois. Enfin, là, je suis allée courir hein, en début de semaine, mais avec tout le sport que j'ai fait derrière... enfin, avant de partir un mois, il faut que je me remette bien dans un bon rythme. Et Gaëlle, vu qu'elle est hyper sportive, je vais profiter qu'elle soit là pour me remettre à fond dedans. Bref, demain c'est la fête des mères. On va voir si quelqu'un me le souhaite. Et on va manger tous ensemble, ça va être cool. Je vais vous laisser, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à le liker et à vous abonner. Et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Ciao.